Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est cet écrou papillon que nous allons modéliser ensemble. L'idée de ce tutoriel vient d'une question qui m'a été posée sur mon compte TikTok sur lequel je propose des tutoriels en format court. On m'a demandé comment modéliser un écrou papillon M14 avec un pas de 2. J'ai fait une petite recherche et je suis tombé sur cette doc technique avec les différentes dimensions. Le M14 n'est pas proposé, du coup, nous allons prendre les valeurs médianes entre le M12 et le M16. Donc c'est parti pour la modélisation. Donc nous allons débuter cette modélisation en créant une nouvelle esquisse, et cette nouvelle esquisse, nous allons la créer sur ce plan. On va commencer par créer des lignes, donc je prends mon outil ligne, je pars de l'origine, je trace une ligne verticale et je renseigne une valeur de 15,5 mm. Ensuite, je vais tracer une seconde ligne, donc toujours en partant de l'origine, c'est une ligne horizontale d'une valeur de 13 mm. Je décale un peu ma cote, je zoome sur mon esquisse, je viens créer une nouvelle ligne qui part d'ici, elle va être inclinée de cette façon, et ensuite je viens fermer mon contour. Je vais mettre une contrainte d'horizontalité sur cette ligne et une cotation angulaire entre ces deux lignes, en renseignant une valeur de 10 degrés. Une fois que mon esquisse est noire, donc entièrement contrainte, je peux quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, nous allons faire une révolution. Donc je prends l'outil révolution, le contour est déjà sélectionné, je vais sélectionner l'axe autour duquel nous allons faire cette révolution et je peux faire OK. Donc nous avons le centre de l'écrou qui est fait. Je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan et venir tracer la partie papillon. Donc pour ce faire, je trace un cercle de cette façon. Ça va être un cercle de diamètre 20 mm. Ensuite, je vais aller dans Créer, Projeter, Inclure et Projection et je vais venir récupérer ces deux points. Je fais OK. Je vais passer en élément de construction et ça va me permettre de tracer une ligne reliant ces deux points et je vais pouvoir venir me rattacher sur cette ligne. Ensuite, j'enlève élément de construction, je vais tracer une nouvelle ligne qui part de ce point jusqu'au cercle. Donc là, on voit la contrainte de tangence qui s'est ajoutée. Je vais faire une seconde ligne donc sur ce trait qui rejoint le cercle. Donc je la place de cette façon. Là aussi, on voit la contrainte de tangence qui s'est placée. Si ce n'était pas le cas, donc on va faire l'exercice, je vais effacer la contrainte de tangence, je peux déplacer ce trait. Donc la contrainte de tangence se trouve ici, je sélectionne ce trait et le cercle, et on a la contrainte de tangence qui est remise. Donc pour les valeurs, comme on a dit, on va prendre les cotes médianes entre le M12 et le M16, donc notamment sur la cote de A et la cote H. Donc si on regarde les valeurs, donc pour du M12 en A, on est à 65 et pour du M16, on est à 73. Donc nous, on va prendre au milieu 69 et pour la cote H, on va faire la même chose. Donc pour du M12, on est à 33,5 et pour du M16 à 37,5. Donc nous, on va prendre 35,5. Je prends mon outil de cotation et je vais mettre une cote entre le centre du cercle et l'origine. Donc verticalement, je renseigne une valeur de 35,5 moins 10 mm qui représente le rayon de mon cercle. Je vais reprendre mon outil de cotation. Je remets une cote entre le centre du cercle et l'origine. Et là, je renseigne une valeur donc de 69 divisé par 2, moins les 10 mm du rayon du cercle et je fais entrer. Ensuite, je vais rajouter une nouvelle cote. Donc, je reprends mon outil de cotation, je mets une cote entre ce point et l'origine et je renseigne une valeur de 14 mm. Donc là, l'esquisse est totalement noire, donc totalement contrainte. Je supprime cette partie parce que j'en ai pas besoin. Ensuite, on va faire une symétrie, donc dans Objet. Je sélectionne cette ligne, le cercle et cette ligne. On va faire une symétrie par rapport à un axe. Donc, je réaffiche mon origine, je choisis cet axe et je fais OK.
Donc on a la deuxième partie du papillon qui est arrivée. On va faire deux lignes pour relier les deux parties entre elles. Donc une première ligne ici et une seconde ligne entre ces deux points. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse faire une extrusion. Donc je prends ma fonction extrusion. Dans direction, je vais mettre symétrique. Je sélectionne ici toute la longueur et je renseigne une valeur de 4 mm. Dans opération, je mets joindre et je fais OK. Donc on a maintenant l'écrou qui est terminé. Enfin, pour la partie extérieure, on va pouvoir rajouter le taraudage. Donc pour ça, je vais dans perçage, je clique sur cette face, je le replace au centre. Donc ici, on va choisir tarauder. Donc on va dire qu'on est sur un diamètre 14. Je choisis M14 avec un pas de 2. Donc en bas, il faut bien cocher modéliser et je fais OK. Donc là, on a bien notre M14 avec notre pas de 2 qui est modélisé. Donc pour finaliser la pièce, on va rajouter des congés. Donc notamment ici, donc j'ai mis un congé de 1, je vais le faire un peu plus grand. On va mettre un congé de 1,5. Et on va également faire des congés sur la partie papillon. Donc je vais sélectionner cette arête et cette arête. De la même façon, de l'autre côté, cette arête et cette arête. Et je vais sélectionner également tous ces contours ici, donc des deux côtés. Je renseigne une valeur de congé de 1 mm et je fais OK. Donc voilà, c'en est terminé pour la modélisation d'aujourd'hui, en espérant avoir pu répondre correctement à la question. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Je vous invite d'ailleurs à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à me laisser vos impressions dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.